Tu vas les retomber, Cardi B? Bon, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Non, pas NordVPN, par moi-même. Donc, formation sur comment créer ton business en ligne. Dedans, tu verras une étude de cas comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, étape par étape. Tu pourras copier et refaire la même chose, ok? Et dedans, en plus, je te montre comment utiliser l'intelligence artificielle. Okay, donc, tu as tout ce qu'il faut. Okay, donc, si tu veux quitter le métro boulot dodo, ça se passe dans la description avant de créer un hack. Regarde quand même. Hein, j'ai déjà aidé plusieurs personnes à gagner de l'argent. J'ai déjà aidé plusieurs personnes à être indépendantes financièrement. Tu as tous les témoignages sur ma chaîne. Donc, à un moment donné, si tu fais rien, il ne va rien se passer. Cardi B a annoncé qu'elle allait divorcer avec Offset. Et comme à son habitude, Offset a vraiment été dévasté. Sacré Offset. Non, mais après, j'avoue, elle veut divorcer parce que il a couché avec une autre fille dans la maison. J'avoue, tu exagères. Non, je rigole, mais non, c'est pas bien. Mais comme Offset, t'abuses quand même. c'est pas bien quand même. Mais bon, du coup, elle est pas contente, Cardi B, parce qu'elle trouve que Offset, voilà, il est un peu trop nonchalant par rapport à cette news, tu vois. Il est là. Non, elle aime pas trop quoi. I really don't like doing the internet. I really, really don't like doing the internet. But the sad is, stop calling me. You need to stop calling me. And she'll be like, watch. Watch what I'm about to do. Watch what I'm about to say. And it's sad that yo, this motherfucker really likes to play games with me when I'm at my most vulnerable time. When I'm not the most confident. He likes to play games with me because he knows I'm not an easy girl. He knows yesterday I could have been out, I could have been chilling, I could have been this and that. He knows I'm in my house. He knows that I'm chilling. He knows I'm not doing the most. And I've really been sparing you. You've been feeling yourself, you because of your album and shit. And you've really been doing me dirty after so many years that I'm up your ass. Not even a thank you that I got for your. And it's so crazy that I gotta go to the internet because whenever ouais, mais Joe, c'est pas bien. T'as vu, t'as pas d'empathie. Elle est là, elle est triste, elle est en train de chialer et tout. Pourquoi tu chiales pas avec elle? C'est une très bonne question, Géraldine. Très très bonne question. Tout simplement parce que je me dis, pourquoi avoir de l'empathie pour une personne qui droguait les gars avant? Elle, hein, donc si t'es pas au courant, elle faisait croire au gars, elle datait avec le gars, elle faisait croire que voilà, ils allaient avoir du sexe ensemble et après elle droguait, elle le volait. Voilà. Ça, par exemple, tu vois. C'est pas rétroactif. Les gars ne peuvent pas porter plainte 20 ans après, comme elles font 20 ans après. Oui, eh ben finalement, ils m'avaient violé. Voilà. Nous, non. On peut pas, les gars ne peuvent pas faire ça. Voilà. C'est pas rétroactif. Non, voilà. Mais on est dans une société patriarcale. Et deuxièmement, elle fait ses propres choix, la fille. Attends, c'est elle qui décide. Elle sait pas quand elle va aller avec Offset, comment ça va se dérouler, la vie. Elle sait pas comment ça va s'engager. Hein? Bien sûr qu'elle le sait. Et j'ai envie même de te dire que les gars fidèles ne l'intéressent pas. Ah ouais? Tu crois pas? Tu crois que c'est pas vrai? Because I have dated men that were extremely faithful to me. Were they ugly? No. Man cute, yeah. Super faithful to mm-hmm. me. But it's like a lot of people, you know, when that whole cheating scandal came out, a lot of people said, you deserve somebody faithful. But just because somebody like extremely faithful don't make you happy because that's true. The guys that were extremely faithful to me, it just didn't work out. Mm-hmm. You just need to find somebody that you really in love with and make you happy. Sensational. La clé de cette vidéo, c'est plus tu t'en bats les reins, plus elle kiffe. Donc après, je pense pas qu'ils s'en battent vraiment les reins au fait du fait que ouais, elle veut divorcer. Mais c'est juste qu'en fait, il agit comme il faut agir. Alors, quand si ta meuf, elle te fait, je vais divorcer, tu fais, s'il te plaît, reviens. À la Kanye West, Kim, reviens, s'il te plaît. Ça marche pas, ça. Au contraire, ça va plus la dégoûter. Ça va la conforter que, oui, ah oui, il faut vraiment que je divorce. Là, c'est sûr et certain. Non, il agit comme un bonhomme. Voilà, je sais pas, sûrement en mode, ouais, écoute, j'ai fait ça, c'est où tu es ok ou pas avec, ou tu es pas ok, et puis voilà, fin. Tu vois. Mais genre, il va pas chialer, il va pas commencer à courir après. C'est la pire des choses que tu peux faire. Il agit exactement comme il faut agir. Et regarde comment elle est débordée, elle ne sait pas quoi faire quoi, en fait. Le mindset du gars, faire le mec gentil, tout ça,
Ça marche pas en fait. Il faut pas ni faire et il faut pas faire le gars méchant. Il faut juste agir comme un homme. Là, la manière dont il agit, pour moi, il agit comme un homme. C'est ok, peut-être il a fait une connerie. Ok, ouais, pas de souci. C'est pas peut-être. Bon, il a fait. J'avoue, il a un petit peu exagéré. Mais en gros, c'est où t'acceptes ou pas quoi. Mais il va pas chialer, il va pas. T'imagines le fait qu'il a dit à quoi ça ressemblerait? C'est pas sérieux. Mais bon, en tout cas, comme elle a dit dans la vidéo, les gars fidèles, c'est pas ça qui l'excite quoi. Donc tu remarques quand même que voilà, là elle est en train de dire clairement que un gars fidèle, ce n'est pas quelque chose qui la rend heureuse. Et je peux te confirmer que toutes les meufs, elles pensent pareil. Alors ça ne veut pas dire qu'elles aiment les gars qui trompent, mais c'est juste que le trait de caractère, avoir un gars fidèle, ce n'est pas du tout ce qui les excite. Même si elles vont le dire. Parce que des gars loyaux, là, des gars fidèles, elles en ont plein dans leur DM. Dans la friend zone, elles en ont plein. Elles savent que ces gars-là, ils vont être fidèles. Mais non, toi, tu veux celui-là dont tu es sûr qu'il ne va pas être fidèle. Ah ouais, parce que tu veux le 0,1% et tu veux qu'il agisse comme un gars moyen. C'est compliqué, hein? Vous voulez pas écouter Kevin Samuel? Peut-être elle s'est dit, comme moi, je suis Cardi B, genre, j'ai le totem d'immunité. Bah non. Pas du tout. Offset, il fait partie des 0,0001%. Il a grave du statut. Depuis la nuit des temps, tous les hommes avec du statut ont toujours eu plusieurs femmes. De Martin Luther King à, je sais pas, qui tu veux. Trouve-moi quelqu'un qui avait grave du statut et qui n'avait pas plusieurs femmes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ce n'est pas le sujet, Géraldine. Je te donne juste des informations, après tu en fais ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que quand ils disent « Ouais, les gars, ils sont pas fidèles », tu parles d'une partie de gars. Sont pas fidèles. Hein, les 10, 1%, etc. Mais tous les gars qui sont dans la friend zone, les gars moyens, ils sont prêts. Donc tu vois comment, à quel point les meufs, elles aiment pas les gars moyens. Elles préfèrent avoir un gars qui potentiellement va les tromper, qui a de grandes chances qu'il va les tromper et se marier avec, que de se mettre avec un gars moyen. Parce qu'il me rend pas heureuse, ça me fait pas me sentir heureuse. J'ai même l'impression des fois que les critères, le genre de gars qui les excite, sont complètement à l'opposé de ce qu'elles verbalisent, dans ce qu'elles recherchent chez un homme. C'est pour ça, les gars, jamais écoutez, mais regardez les actions. Alors, est-ce qu'après, il y a des gars du 1%, des 0,1% qui soient fidèles? C'est possible. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très, 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 très rare. Très, 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 très rare. C'est l'équivalent, nous, de dire, par exemple, qu'on veut un 10 sur 10, mais par contre, qu'il soit traditionnel et féminine. Bon, ça... Alors, c'est possible. Alors, je pense que nous, alors, les deux, femmes ou hommes, les deux comparaisons que j'ai fait, les deux analogies, les deux, il n'y a pas beaucoup. Okay? Mais nous, je pense qu'il y a un tout petit peu plus. Okay? Je pense qu'il y a un tout petit peu plus. Mais voilà, une femme qu'on lui a dit oui toute sa vie, elle n'a jamais eu besoin de faire d'efforts, quoi que ce soit, juste soi. Voilà. Et de toute façon, le monde se plie à toutes tes exigences. Bon, c'est ça, quand tu vas lui dire, ouais, est-ce que tu peux me faire un sandwich, elle ne va pas comprendre. Comment on fait le sandwich? Et encore, je pense quand même il y a quand même moyen, il y a quand même beaucoup plus moyen quand même, je pense. Mais ça va être compliqué. Donc Cardi B, elle fait tout son cinéma, elle va retourner avec son gars tranquillement. Et puis voilà, c'est tout. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, je suis à ton camp.